on se retrouve aujourd'hui pour le vlog numéro 2. Je viens juste de me réveiller, rip à ma tête. J'ai encore la voix fracassée mais c'est comme ça le matin et le soir en fait. J'espère que ça va passer parce que j'en ai vraiment vraiment marre. Donc je vais déjeuner des crêpes parce que hier on a fait une pâte à crêpes, donc j'ai sorti la poêle. Je vais déjeuner ça et hier soir avant d'aller me coucher j'avais fait des yaourts au citron maison, donc je vais les ranger. Je vais mettre ça au frigo et on déjeune et c'est parti, on ouvre les calendriers. Franchement, grosse frayeur ce matin. Là, je me suis juste coiffée, maquillée. En fait, on m'avait piraté mon compte Instagram. Heureusement que vous m'avez envoyé un message direct en me disant « Alex, j'arrive pas à aller sur ton Insta, ton compte est désactivé et tout ça. » J'ai pas compris. En fait, effectivement, oui, quand je me suis réveillée ce matin, j'ai reçu des mails comme quoi on avait changé mon numéro de téléphone, mon adresse mail, et que si c'était pas moi, il fallait que je contacte direct. Et du coup, c'est bon, j'ai réussi à tout récupérer. En plus, je vous raconte même pas l'adresse mail que c'était. Enfant Prodige 18 qui m'avait piraté celui-là d'Enfant Prodige, j'ai envie de dire. C'est un peu du foutage de gueule. Bref, sur ce, on va ouvrir les calendriers d'avant. Regardez, je suis en mode toujours pyjama. J'ai toujours la voix cassée, mais ça fait un charme, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir été aussi nombreuses déjà sur ma vidéo d'hier de mon vlogmas. Je suis trop contente de pouvoir partager tout ça avec vous. Donc comme je vous l'ai dit, on va ouvrir très vite les calendriers de l'avant parce que j'ai fait un sondage en fait hier sur mon Insta et vous avez été nombreuses à me dire que vous préférez que j'ouvre les calendriers de l'avant sur mon Insta story plutôt que pendant mes vlogmas. Donc n'hésitez pas, à celles qui me suivent plus ici, à me dire ce que vous préférez, si vous voulez que je continue à ouvrir les calendriers de l'avant ici ou si ça vous saoule tout simplement et que vous préférez que je le fasse sur Insta story. Donc écoutez, on commence. La case numéro 2 est ici. Ouais, je l'adore celle-ci, c'est la Votive The Perfect Tree et c'est au sapin. Elles sont trop bonnes celle-ci, je l'aime trop. Ensuite le calendrier, le comptoir de Mathilde, le numéro 2, il est là. Ah, c'est des petits chocolats comme ça. Bon, je viens de manger des crêpes mais franchement des petites boules comme ça, je vais les manger. J'espère que ça va me plaire. C'est trop bon. Ensuite le calendrier, la cure gourmande, le numéro 2, il est là sur la petite souris. Ah, c'est un petit, comme une petite papillote chocolat. Ça c'est chouette, on va le garder pour le café du chéri. The Body Shop, le numéro 2, c'est cette case-ci. Méditer dans la nature, décompresser après une semaine chargée avec 10 minutes de respiration. Donc c'est un gommage pour le corps lissant qui sent super bon, je viens de le sentir. Yves Rocher, le numéro 2, il est là. Ah yes, c'est un baume à lèvres et ça on en a toujours besoin, donc celui-ci c'est au karité. Ensuite, alors j'ai enfin compris l'histoire du calendrier de l'avant du Touch Organic grâce à vous. Donc là on va prendre le numéro 2, je vais vous montrer en fait comment il fonctionne. Donc déjà faut le trouver, le numéro 2, il est là. Sous chaque thé en fait vous avez les numéros, donc hier le numéro 1 c'était ça, donc c'était citron gingembre. D'ailleurs j'ai oublié de me le faire, je vais me le faire tout à l'heure. Et là, il faut chercher du coup le numéro 2, et ben c'est là. Oh, il doit être trop bon, thé blanc abricot, je vais me le faire après ça. Je vous dirai au moins s'il est bon ou non. De chez Florel en Provence, le numéro 2, il est ici. Oh non, mais Provence d'antan au cola, vous croyez que c'est bon? J'ai jamais goûté un thé au cola. Non, mais l'idée est excellente. Et enfin, on termine avec mon chocolat du jour. Numéro 2, il est là. Et c'est déjà un Papa Noël. Bon appétit, je le mange. Ben non, pas cher. Oh, qu'est-ce que tu fais? Il y a quoi dedans? Il y a qui? Pacha! J'arrive pas à ouvrir! Allez, descends! Tama! On a acheté un chat! Allô, mon bébé! T'es bien dans le carton, mon ange! C'est trop beau! Qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin? C'est encore le bordel, puisque je suis retournée à Jiffy vu qu'il y avait moins 30% sur tout le magasin et que je voulais reprendre mes flûtes de champagne à sortir au verre que je vous ai montré hier. Par contre, j'ai fait ma grosse blonde. Je voulais changer mes tabourets de bar et sauf que, en fait, le carton était ouvert mais il y avait tellement de monde que bah du coup j'ai pas ouvert. Pour moi, c'était logique qu'il y ait les deux à l'intérieur, mais en fait, au final, il y en a qu'un.
Donc je suis bonne à retourner là-bas pour leur dire que j'en ai qu'un au lieu de deux. Super. Bref, en attendant, je vous montre ce que j'ai pris d'autre. Alors, j'ai pris ce jeu de morpion en bois. J'ai trouvé ça franchement super joli, super bien fait. Je trouve que ça fait chaleureux. Et en plus, bah, ça permet de jouer. Moi, j'adore jouer au morpion. Donc voilà, ça évite de faire ça sur une feuille. J'ai pris ce lot de boules de Noël blanc et doré. Donc je cherche les grosses comme ça aussi dorées, mais il n'y avait pas, elles étaient uniquement en blanche, dommage. Mais j'en cherche des grosses comme ça en doré aussi. Je crois que le lot était à 15, ça c'était à 10. J'ai repris du coup les flûtes assorties au vert que je vous ai montré hier. Elles sont vraiment magnifiques, hein, celles-là avec le ruban doré autour. J'ai adoré cette collection pour les fêtes. Franchement, à chaque occasion vous pouvez les sortir, mais moi je les utiliserai tous les jours honnêtement. Ça c'est un circuit magique lumineux. Et je crois que la voiture est télécommandée. Faire des roues, des toupies, enfin bref, plein de choses. C'était qu'à 6,90€, ça brille dans le noir, c'est pour mon neveu. J'ai pris un plaid bah, dans l'esprit de Noël, mais dans les tons bien entendu dorés et blancs, vu que c'est le thème que je veux faire. Il est vraiment tout doux. En plus, bon, il est pas très grand, c'est un 120x150. Mais il est vraiment cocooning, j'adore la texture. J'ai pris aussi ça, alors parce qu'on galère toujours avec notre serpillière qui ne tient pas au balai. On en a acheté, je sais pas combien ça a cassé, donc j'ai voulu tester ça. Je sais pas si c'est mieux honnêtement, mais à tester, vous avez un seau, un balai, une serpillière. Et apparemment, donc, vous avez deux attaches qui se déplient sur le côté et vous essorez en fait directement là-dedans. J'ai repris un tapis pour les chats pour changer de celui qu'ils avaient. Une petite pâte, un petit poisson, trop mignon pour mettre leur gamelle. Et ensuite, j'ai pris trois petites choses pour la pâtisserie. Donc j'ai pris un spray démoulage, ça c'est vraiment bien au lieu de mettre du beurre et autres. Après, j'ai pris un spray couleur or alimentaire, donc pour mettre sur les gâteaux. Et j'ai pris un colorant alimentaire en poudre rouge, donc pour Noël, j'ai trouvé ça bien. Je savais pas qu'ils faisaient ça aussi à Jiffy, ils faisaient même plein de moules et tout, si ça vous intéresse. Et du coup, ma grosse blonde que j'ai fait, donc ce que je vous disais, c'est ça, c'est les deux tabourets scandinaves comme ça que je voulais, sauf qu'il y en a qu'un au lieu de deux. Donc je suis bonne à repartir là-bas. Alors on mange poulet au curry aujourd'hui. Bon appétit. On a récupéré du coup la deuxième chaise à Jiffy. Et du coup on a eu le modèle d'expo. Donc bon bref, elle est un peu abîmée. Mais bon, on va essayer de voir ça. Et là on s'arrêtait à la boulangerie pâtisserie, on va prendre des pizzas, des petites choses à manger parce qu'il est 4h. J'ai pris une pizza chèvre miel noix, une petite part de pizza pour 4h, enfin pour l'apéro du moins. Et le chéri a pris 4 fromages. Bon voilà les chaises de bar en fait qu'on a pris. Et malheureusement en fait c'est trop haut. J'avais pas de mètre pour mesurer, mais regardez, c'est un peu trop haut pour notre plan de travail. Donc va falloir que je les ramène. On a passé la journée, je vous assure, à faire ça. C'est un enfer. J'ai été à la douche. Je sais pas du coup si le vlog sera très très long aujourd'hui, honnêtement. Mais vu qu'en fait, je vous raconte pas le bordel que ça a été en fait à Jiffy. Bref, avant ça, en fait, je voulais vous donner un bon plan. Parce que moi, je sais pas si vous connaissez Bravo Loto. C'est pas du tout un partenariat, l'application. Mais moi, je participe souvent enfin au jeu. Des fois, j'ai pas le temps de le faire. Mais quand je suis au travail et autres, pendant ma pause, j'aime bien participer. Vous avez des grilles gratuites à faire. C'est comme un loto en fait. Jiffy en fait sont dessus. Et moi, je récupère des bons et à chaque fois j'ai des bons d'achat, par exemple à partir de 100€, vous avez 45€ de bons d'achat chez Jiffy, donc c'est pas négociable. Tout à l'heure j'ai acheté donc les sièges et tout ça avec la carte cadeau du coup là qu'on m'avait envoyé pour Noël. Malheureusement je suis dégoûtée que les tabourets ben n'aillent pas, mais bon j'y retournerai du coup jeudi sur mes repos, c'est pas bien grave, j'échangerai tout ça. Y a pas autre chose qui me plaît, ben ils me feront en avoir, bref on verra ça ensemble. Vous suivrez la suite des tabourets de bar parce que du coup les anciens tabourets je les ai vendus aujourd'hui, donc je suis dégoûtée. Donc là je me retrouve avec deux tabourets ben trop haut pour mon plan de travail. Je voulais vous parler de la petite astuce de Bravo Loto, vous pouvez gagner des bons d'achat, cumuler vos points et après avoir des bons d'achat, donc c'est plutôt bien. Et avec Bravo Loto, vous pouvez gagner de l'argent aussi. J'ai rien gagné pour l'instant, ça marche comme le loto, sauf que vous ne payez rien, donc je trouve que c'est révolutionnaire. Je voulais vous parler du cadeau du jour. Donc là j'étais à la douche, il faut que je me démaquille, mais le cadeau du jour est juste un truc de malade. C'est un peignoir personnalisé en éponge en sortant de la douche, c'est juste le top. Si vous n'êtes pas tout à fait séché et tout, en plus ça tient chaud, il est d'une qualité extra, il a des manches un petit peu larges et j'adore ça. Et en fait vous allez pouvoir tenter de gagner un peignoir personnalisé du site Your Surprise. À chaque fois je vous présente des cadeaux de ce site chaque année. Oh, j'ai une crise de tout, ça passe pas. Bref. Du coup vous pourrez gagner votre peignoir et ça c'est juste de la folie bien entendu. Mon compte Instagram refonctionne, donc le concours c'est sur Insta, je vous mets le lien en barre d'infos. Je vous montre le derrière du coup ce que j'ai écrit parce que c'était un peu spécialement pour vous. Donc du coup moi j'avais écrit Girly Alex 83 en rose fuchsia et j'ai pris le peignoir en gris. La gagnante pourra écrire ce qu'elle veut derrière, hein, pas de soucis, vous allez pas marquer Girly Alex 83. Même si c'est pour me remercier, hein, c'est quand même pour vous. Je trouvais que c'était une chouette idée cadeau à vous faire, à vous offrir, j'étais trop contente. Donc merci aussi toujours, surprise, c'est juste de la folie. Je vais aller me faire un thé pour essayer de faire passer ma toux. Regardez mon pacha comme il dort. On aura tout vu. Je me suis fait un thé du coup pour la toux. Ça va me faire du bien et je vais monter du coup le vlog d'aujourd'hui. Donc je pense que je vais l'arrêter ici. Moi je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain pour la suite des vlogmas. Bisous bisous. Jingle bells, jingle bells, jingle on.